Coucou les amis et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, week-end spécial. Pourquoi week-end spécial? Vous pouvez le voir à l'écran. Hey V, eh oui, il est déjà fort équipé mon petit soldat. Star Wars Battlefront 2, la bêta ouverte, est enfin disponible messieurs dames. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir découvrir ce que va nous réserver ce fameux Battlefront 2 tant attendu par la communauté. On en a beaucoup entendu parler, donc aujourd'hui... On est heureux de vous présenter sur la chaîne cette bêta ouverte. Je jette un petit coup d'œil sur ce que j'ai pu débloquer, car je me suis permis de jouer sans vous. Et ouais, je sais, c'est assez chier. Mais il le fallait, messieurs dames, pour découvrir un peu ce qui nous attendait, ce qui se passait, et comment on allait pouvoir vous faire découvrir tout ça sous forme de bonnes petites vidéos. Je pense que je vais découvrir les trois catégories qui s'offrent à nous. Et ce soir nous terminerons en soirée de folie avec normalement Toto et l'ami Ludo du boulot, un collègue qui va nous rejoindre pour tous ensemble en mode multijoueur. On va pas aller dans Strike tout de suite, on va pas aller dans Galactic Assault, on va aller dans le vif du sujet, ce qui est attendu par tous les joueurs, tous les fans de Star Wars, The Starfighter Assault. C'est parti. All forces repel the rebels' assault. For the Emperor. Those cruisers defending the docks. Allez, are under fire. En mode cockpit, Roger, on va essayer de se la faire en mode première personne. On va voir ce que ça donne. Alors, petite accélération. Première cible en vue, messieurs dames. Ouh, il fume, mais c'est pas fini. Ça commence fort. Bim. Alors lui. C'est pas moi qui l'ai fumé. Ok. Oh la vache! D'accord. C'est showtime, messieurs dames, c'est showtime. Bim! Allez, ça dégage. Ça commence très fort. Ça commence très bien. Donc vous pouvez constater que nous sommes du côté obscur de la force. Il est où? Non, il s'est craché, je crois. Alors je me fais un petit coup tiré dessus, mais ça se passe bien pour l'instant. On va essayer de se trouver une petite. Trop vite, sérieusement. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Tentative de fuite. Donc j'ai... D'accord. Merci. Donc tentative de fuite complètement échouée. Mais c'est pas grave, c'est reparti. Donc on va expliquer un petit peu pour les amis qui viennent de débarquer et qui découvrent ces images. Donc là, nous sommes du côté obscur de la force. Nous sommes du côté impérial. Notre mission, c'est de défendre, vous voyez, les petits vaisseaux qui sont représentés par des petits points bleus. Des petits losanges bleus. Pas facile d'expliquer en même temps que je pilote. Mais bon, ça va, je t'éteins les amis. Toi, t'es bon, toi. Et bim! Alors, donc nous en gros, on doit... Ah mais c'est des gros vaisseaux aussi, c'est pas le Kring. Wouh! Ok. Hop, on tire encore dessus. Putain! Ah, c'est comme ça. Non mais y a pas de souci. Donc nous en gros on est les impériaux, on doit défendre notre station ainsi que les gros vaisseaux donc comme vous le savez qui sont représentés par des petits. Attends, ça a bugé. Ils ont décidé de me faire la peau. Mais je vais me vénère les gars, je vais me vénère. Hein. Bon bref. Donc, je vais arriver à expliquer le pourquoi du comment. Donc nous, on doit défendre les vaisseaux qui sont représentés par ces petits losanges, des sortes de losanges bleus. On doit désinguer évidemment tous les ennemis qui sont représentés par du rouge. On doit désinguer ce genre de gros avion là, qui vient de ce vaisseau plutôt, comme là ici. Voilà, on doit les désinguer. Vous pouvez voir qu'il y a des sortes de tourelles. On doit essayer de cibler. Bim! Regardez ce que je vais toucher. J'ai touché, mais c'est pas suffisant. Oh, il est presque dead. Oh,
lui il s'est écrasé dessus, ok. Là on est un peu trop près, on va essayer de pas faire... Oh oh oh. Eh ben je crois qu'on l'a fumé, ok, nickel. Ça c'est bon ça. Voyez, regardez, on a des cibles. Ils sont représentés en rouge, donc là je lock. Et je tire une petite roquette, et BIM. D'accord. Bon, je suis fait dézinguer, mais ça va. J'ai réussi à... Enfin, en déglinguer un, ce qui est plutôt pas mal. Donc, sur votre écran en haut, vous pouvez voir les ennemis qui sont représentés par la barre rouge. Ils sont actuellement 114, 112. Donc en gros, il faut les déglinguer jusqu'à temps qu'il y en ait un seul. La barre bleue représente évidemment ce que je dois défendre, c'est-à-dire les plus petits vaisseaux là qui nous entourent, qui sont donc, comme je vous disais, représentés, merci, représentés par des logos bleus. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Le principe reste un peu le même que dans Battlefront 1, c'est-à-dire qu'avec le joystick gauche, vous avez le petit curseur que vous pouvez modifier soit en le poussant vers le haut, qui va comme ceci augmenter votre vitesse, soit revenir vers le bas comme ceci, qui va ralentir votre vitesse mais augmenter votre bouclier de protection. A vous de juger, à vous de jauger. Ok, alors là je les connais déjà, ils passent toujours. C'est chaud. Regardez, vous voyez, c'est des fuites, ils passent vraiment à l'intérieur du gros vaisseau, la station. On va essayer. On est vraiment tout près. On est même un peu trop près. Vous voyez donc sur le curseur, j'ai mis la protection à fond et j'ai réduit la vitesse à fond. Regardez, c'est largement suffisant pour que j'arrive à le suivre aisément. Par contre, j'ai un peu de difficulté à le déglinguer. J'ai évidemment mes lasers. Je l'ai eu, c'est bon. Au calme, franchement, je l'ai eu au calme. Ensuite, une chose à ne pas négliger, c'est les fameuses armes qui choquent, comme dans le premier. On retrouve le même souci dans les vaisseaux. Donc c'est à vous aussi de surveiller votre barre. Là, je verrouille, et une fois que je verrouille, je rappuie, et ça lance une grosse roquette. Logiquement, ne rate pas sa cible, sauf là. Par contre, moi, ils m'ont pas loupé. On va reprendre l'intercepteur. J'aime vraiment bien l'intercepteur. On a le choix entre trois véhicules de base, que ce soit du côté clair ou du côté obscur. Ensuite, au fur et à mesure de la partie, vont se débloquer des véhicules, on va dire, plus imposants, comme des véhicules de boss. Vous pourrez retrouver aussi, évidemment, le Faucon Millenium. Eh oui, monsieur, le Faucon Millenium. Bim. Alors, ça, c'est pas moi, mais bon, il est dead. J'ai participé, ça compte. Hein. C'est un travail d'équipe, messieurs dames, il faut pas l'oublier. On découvrira ça ce soir. Et toi, t'es dead. Avec Toto et Ludo. On découvrira vraiment le mode multijoueur à 3. Même si là, en l'occurrence, je suis en multijoueur. Oh là là, je l'ai loupé. Alors ça, vous voyez, je le fais avec... Voilà. Elle a l'air de rien, messieurs, dames. Ah, vous voyez, là, j'ai surchauffé. Donc là, je peux tirer, j'attends un petit peu. Voilà. Donc, en fait, faut pas rester appuyé. Si vous restez appuyé, vous surchauffez très vite. Sachant que la sensibilité des vaisseaux est énorme. Voilà. Vous voyez, là, les cibles repassent à l'intérieur du vaisseau. On va essayer d'un coup. Voilà. Je suis repéré. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose une fois que mon vaisseau est endommagé. Vous verrez que par exemple les X-Wing à l'aide de R2-D2 qui est à l'arrière, vous pouvez faire une petite demande de réparation. Je crois que c'est avec la touche L2 si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça, L2. Bon, ça semble compliqué hein, parce que j'explique pas forcément très bien. Oula, c'est quoi ça? Mais sincèrement, ça va, on prend très vite en main le... Ah mais voilà. Mais quand je vous le dis, malade. Victory. The rebels will think twice before daring to attack these yards again.